Bienvenue dans la discothèque. Rien de plus simple à cuisiner que du jambalaya. Prenez de la viande, de préférence de la charcuterie, ajoutez-y du riz, épicez généreusement le tout. En l'espèce, il s'agit du plat régional d'un territoire du sud des États-Unis imprégné de culture créole, la Louisiane. Bien sûr, il existe des variantes. Par exemple, en remplaçant le jambon par des gambas, des crustacés, voire quelques petits légumes, du coup, la recette ressemble beaucoup à la paella espagnole. En chanson, on l'aura compris, c'est la fête au marais, le bayou. On y fait l'amour, on y chasse l'alligator, on pêche la crevette et on y déguste du jambalaya. En 1952, Hank Williams, figure légendaire de la country music, écrit et interprète ses chansons qui empruntent au style cajun et qui sera donc largement reprise par d'innombrables musiciens après lui. Hank Williams, lui, est le prototype du chanteur country génial mais maudit. Imaginez un parcours comparable à celui de Johnny Cash, mais en lieu et place d'une renaissance relativement salvatrice par la grâce de la foi chrétienne, mettez un décès prématuré à l'âge de 29 ans, hanté par un contexte prémonitoire des plus troublants et lugubres. Le Jambalaya and the Bayou que l'on écoute maintenant est paru en 1964 et a été concocté par le propre fils de Hank Williams Jr. Changement de ton à présent avec cette version de Brenda Lee datant de 1956. La chanteuse est alors âgée de 12 ans, parmi au moins 3 autres versions qu'elle aura enregistrées durant sa longue carrière. Ici, la couleur musicale lorgne du côté de la musique latine, d'une manière assez explosive, qui fera bientôt surnommer l'enfant prodige qu'elle est alors, Little Miss Dynamite. Car son succès, Brenda Lee le doit d'abord à la maîtrise précoce et la surpuissance de sa voix juvénile, laquelle, lorsqu'elle aura mué, l'éloignera quelque peu de la renommée, bien que ses capacités vocales resteront remarquables et immédiatement identifiables. Tout comme sa petite taille, qui ne dépassera jamais 1m45. Get dressed in style, boy, boy, me on my own. The son of a gun with a big button on the bio. Red jambalaya, cookie, pine, a picnic gumbo. Cause tonight, I'm gonna see my fish ahead of me. Les Carpenters, créateurs de ballades radiophoniques douces et proprettes, considérés à juste titre comme un peu niaises, mais au potentiel mélodique indéniable, reprendront à leur sauce le Jambalaya on the Bayou en 1972, tout juste 20 ans après la version initiale. Les Carpenters, c'est un frère et une sœur, Richard et Karen Carpenter. Richard est compositeur et joue principalement du piano. Karen, à l'origine, est batteuse, mais deviendra rapidement la première voix du duo. McCartney ira jusqu'à la considérer comme la meilleure chanteuse ayant jamais existé, du moins à l'époque où il fit cette déclaration. Malheureusement, Karen Carpenter décédera à l'âge de 32 ans des conséquences cumulées d'une anorexie mentale qui l'affligeait depuis l'adolescence. Sur le plan musical, les Carpenters sont arrangés du côté de la musique de variété, voire d'ambiance, dite aussi « lounge », dont ils sont les archétypes. En 1971, ils seront reçus à la Maison Blanche par Nixon, dans le cadre du programme présidentiel officieux visant à contrecarrer la supposée décadence de la musique américaine,
corrompus par les hippies et leur usage des drogues psychédéliques. La version du Jambalaya de Karen et Richard est donc parfaitement nettoyée de toute rugosité et dégage une saveur sans doute plus sucrée que salée. Ainsi a été mijotée de trois façons différentes, distinctement par trois artisans, la chanson Jambalaya on the Bayou, standard de la musique populaire nord-américaine du XXe siècle.